Comme de nombreuses femmes, Meghan Markle a ses pièces favorites. Parmi ses petits péchés mignons en matière de mode, il y a la robe chemise. En effet, il n'est pas rare que la duchesse de Sussex déniche ce genre de vêtements de son placard. Dernier exemple en date, ce 1er octobre, où la duchesse a porté une robe chemise qui n'était pas sans rappeler celle qu'elle portait lors de la présentation de son bébé Archie à la presse. Quelques jours plus tôt, elle avait recyclé ce vêtement bleu au Cap, en Afrique du Sud, le lundi 23 septembre dernier pour visiter le musée du District 6. Ce vêtement noué à la taille et boutonné sur le devant signé Veronica Beard, avait un air de déjà-vu puisque l'épouse du prince Harry l'avait déjà porté il y a un an. Lors de son précédent voyage officiel en Australie en octobre dernier, elle était vêtue de cette robe coupe midi, à l'occasion de sa visite dans les îles Tonga. Pour sa deuxième journée sud-africaine, le mardi 24 septembre, la femme du duc de Sussex avait misé sur une longue robe chemise couleur vert kaki ceinturée à la taille et coupée juste au-dessus de ses pieds, à l'occasion de la visite de la mosquée au Wall. Cette tenue était assortie d'un voile, accessoire de rigueur pour le lieu de culte. Les fans de la famille royale britannique ne peuvent oublier le fameux look que portait Meghan Markle pour la présentation officielle du Royal Baby. Portant Archie Harrison dans les bras avec le papa du bébé, au château de Windsor le 8 mai dernier, la jolie brune était parée d'une élégante robe chemise. Surrayé, noir, blanc ou encore rose pâle, l'ex-actrice de Suits s'est toujours adapté ses tenues aux événements. Et le résultat est toujours aussi époustouflant.